Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un outil très pratique pour nettoyer son PC de tout ce qui peut l'encombrer. Alors, je vous présente aujourd'hui sur la chaîne TechnoTuto le logiciel CCleaner que j'ai déjà installé sur mon ordinateur, mais on va reprendre depuis le début en l'installant, etc. Alors pour ça, on va aller sur Google, on va taper CCleaner, puisque c'est de ceci qu'il s'agit. On peut aller sur le site de Comment ça marche télécharger, qui est ici. Mais moi, je préfère le prendre sur les sites officiels, donc CCleaner Download. Si vous tapez la même chose que moi, on va prendre le free. Parce que il n'y a pas énormément autre chose dans les versions payantes. On clique sur Download. On va avoir un téléchargement automatique qui démarre. Voilà. Puis moi, ça va me permettre de mettre à jour, donc je vais l'exécuter. Voilà, donc on va cliquer sur Oui s'il nous demande un contrôle d'utilisateur. Sachant que si c'est votre première installation, il vous désinstallera pas et il vous le remettra pas. Moi, je le mets à jour, je l'ai déjà. Donc après, vous pouvez cocher les options que vous voulez. Donc un raccourci sur le bureau, dans le menu démarrer, etc. Les options avancées, le dossier de installation. Donc moi, je vais rajouter ça, parce que sinon ça ne va pas. Voilà. Donc là, il va me mettre à jour mon CCleaner et vous, il va vous l'installer. Voilà. Donc là, je vais lancer. Et donc là, on arrive sur l'interface de CCleaner. Donc, il va nous proposer dans un premier temps le nettoyage. C'est l'option par défaut qui se lance quand on lance le logiciel. Vous avez répertorié toutes les applications de votre ordinateur dans Windows. Donc, je vous conseille de tout cocher. Sauf si vous voulez garder votre historique, c'est mieux de le garder. Sauf raccourci du menu démarrer, raccourci du bureau pour une raison qui paraît évidente, parce que sinon il va les enlever. Et ça, il vaut mieux éviter de, sauf si vous savez ce que vous faites, mais il vaut mieux éviter de les cocher. Les vieilles données du préf, vous pouvez les cocher, c'est pas un problème. Donc là, moi j'ai tout coché, parce que je veux un nettoyage en profondeur de mon ordinateur. On va lancer l'analyse. Donc il va scanner l'ordinateur pour savoir qu'est-ce qu'il y a à supprimer de en trop, si vous voulez, c'est les fichiers. Donc là, je vais fermer Google Chrome, ce qui ne me dérange pas. Et donc là, il m'affiche toute la liste qu'il a supprimée. Je vois que j'ai 2237 mégas, soit à peu près 2,237 gigas. Je vais faire nettoyer. OK. Il va nettoyer l'ordinateur suivant ce qu'il a analysé avant. Et voilà. On peut aussi faire une analyse plus en profondeur et un nettoyage plus complet avec le passage. Donc pour ceci, on va dans Outils, enfin Options, pardon, Paramètres. Et là, on va cocher effacement sécurisé. Alors, 3, 7 ou 35 passages. Moi, j'aime bien le 35 passages parce qu'il est très efficace. La deuxième option que CCleaner propose, c'est le nettoyage du registre. Alors, le registre, c'est quoi? C'est un registre, comme son nom l'indique, où dedans, il y a plein de clés. Alors, qu'on peut lancer suivant une manip toute simple. Je
que je ne peux pas lancer. Sauf si je tape. Ah, bon, je le tape là-dedans, mais normalement vous pouvez avoir une fonction directe dans oups. Regedit.exe. Voilà, donc là le contrôle d'utilisateur obligatoire. Et en fait, c'est le logiciel qui comprend toutes les clés de registre nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. Donc chaque fois que vous installez un logiciel, etc., il va vous installer des clés pour pouvoir faire fonctionner l'ordinateur. Donc il vaut mieux éviter de bidouiller, sauf si évidemment on sait encore une fois ce qu'on sait. Donc CCleaner, lui, il va chercher, il va scanner ce registre pour regarder qu'est-ce qui est utilisé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, moi là j'ai une extension de fichier inutilisée, une icône introuvable, etc. Tout ça c'est dans le registre et il va détecter ces failles et il va me proposer de les corriger, donc en supprimant les clés de registre qui sont totalement inutiles et qui ralentissent l'ordinateur puisqu'il est encombré de clés qui ne lui servent à rien au final. Donc bon, ça prend un peu de temps suivant l'ordinateur que vous avez. Bon, vous voyez, j'ai un Windows 8 i3 qui cadence à 2,3 GHz avec 6 Go de RAM. Donc bon, c'est relativement rapide. Et donc on va se retrouver dès qu'il aura fini de scanner. Voilà, donc là, vous voyez, ça n'a pas pris plus longtemps en fait. J'aurais pu laisser tourner. Là, il m'a détecté tout ce qui n'allait pas dans mon registre. Donc là, je vais faire corriger les erreurs. Il me propose d'enregistrer le registre pour éventuellement restaurer les clés qui seraient supprimées, mais moi j'aime pas trop parce qu'après ça prend la place et donc voilà, c'est pas très utile parce que. Et donc là je vais faire corriger l'erreur sélectionnée, les erreurs sélectionnées, et il va me réparer tout mon registre. Donc il vaut mieux scanner régulièrement avec le nettoyage des registres parce que régulièrement ça se ressalit. Après, vous avez un autre onglet, c'est les onglets outils. Vous avez un premier truc, c'est le désinstallateur de programme. Ça, c'est à peu près la même fonction que le panneau de config, en fait. Donc, voilà. Vous avez l'onglet démarrage qui va, par exemple, là, je vais le faire parce que j'ai des trucs qui m'embêtent. Là, par exemple, c'est l'onglet démarrage. Donc ça, c'est toutes les clés de registre qui vont s'exécuter au démarrage de votre ordinateur. Il y a des trucs, évidemment, à ne pas désactiver, parce que si vous désactivez, par exemple, je ne sais pas, votre touchpad de votre ordinateur portable, il va plus être activé, donc vous allez être obligé de relancer le logiciel à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder l'éditeur, et puis le logiciel, s'il n'y a pas quelque chose dedans. Donc là, il va charger toutes les clés, et donc au démarrage de Windows, au démarrage d'Internet Explorer, de Google Chrome, les tâches. Donc là, j'en ai un paquet, ça fait longtemps que je ne l'ai pas enlevé. Mais bon, par exemple ici, Synaptics Touchpad, machin, il faut pas que je le désactive, parce que sinon mon touchpad, il va être enlevé. Donc là, par exemple, pour désactiver une clé de registre, je clique dessus, et je clique sur désactiver. C'est extrêmement simple. Et si je vous proposais, ce qui est très rare, de ça aussi, je non, ça Sidebar, je vais laisser. Si je vous proposais de supprimer une clé de enfin de désactiver une clé de registre au démarrage qui empêcherait l'ordinateur de démarrer, il vous avertirait, attention, cette clé, par exemple l'antivirus, vaut mieux le laisser aussi au démarrage. Là, au démarrage d'Internet Explorer, j'ai plein de trucs avec OneNote, un truc avec mon imprimante aussi. Bon, là, j'ai des petites choses avec Google Chrome, mais bon, c'est pas très. Voilà. Et puis là, c'est pareil, j'ai des tâches, il faudrait que je les supprime. Bon, je vais pas le faire. La recherche de fichiers, bon bah, si on veut chercher, par exemple, des fichiers qui sont, par exemple, là, ils proposent par défaut une taille inférieure à 1 mégaoctet. C'est des fichiers qui servent à rien, là, principalement. Donc, voilà. Et on peut scanner. Moi, je le fais jamais parce que je ne pense pas en avoir. Et puis, voilà. Mais vous pouvez toujours tenter. Une restauration du système. Là, il va vous afficher tous les points de restauration qui sont créés. Donc, par exemple, moi, il m'en a créé un parce que j'ai fait ma
jour de Windows Live Essential. Là, j'ai installé un gadget pour avoir ma pendule sur mon bureau. Là, j'ai bon, il m'a fait un point de restauration puisqu'il en fait tout le temps. Et il y a un effaceur de disque. Alors celui-là, vaut mieux éviter de l'utiliser parce que sinon, il va vous effacer tout votre disque dur et c'est pas très bon pour l'ordinateur. Dans les options, vous avez les paramètres. Donc bon, la langue française, si vous voilà. Si vous voulez nettoyer l'ordinateur au démarrage, bon, là, je le remets en normal. Là, c'est l'analyse intelligente des cookies. Ça peut être pratique. Il va vous garder, par exemple, vos cookies pour la connexion sur Google+, ou YouTube, ou votre site de banque, peut-être pas quand même, sinon si vous avez un problème. Ça, je n'utilise jamais. C'est des dossiers qu'il inclut forcément dans le nettoyage et les exclut qu'il nettoie jamais. Dans les paramètres avancés, vaut mieux éviter de les tripatouiller aussi. Enfin, vous avez, à propos de ces cleaners, vous pouvez toujours passer à la version professionnelle, sachant que ça vous coûtera environ 20 euros. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel avec la chaîne Techno Tuto. Et on se retrouve très très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Windows ou de la bureautique. Merci à tous et au revoir.